En ce qui nous concerne, nous, militants du NPA, c'est un débat évidemment qui a traversé le NPA à sa fondation et depuis, pour rien cacher, le travail depuis à travers de multiples débats sous diverses formes et à diverses étapes de notre courte histoire. Donc, du coup, on a eu la volonté d'ouvrir un peu un cadre moins traditionnel que celui qu'on a habituellement dans l'université d'été. C'est-à-dire d'essayer de partager les interrogations des militants du NPA. Nous sommes trois donc, à cette table, dans différentes sensibilités, avec des camarades venus d'autres courants, de regroupements politiques ou même d'organisations, puisque un camarade du comité libertaire a aussi été invité à participer un peu à cette gamberge collective. Alors, du coup, on en profite pour remercier pour la participation. Divine et Céliane, donc du collectif Sofédé, pour rejoignons-nous. Alors, du coup, comment ça va se passer? De façon très simple, on va faire 6 introductions, quelques minutes, une minute à peu près. D'abord, Macom, ensuite, ça sera Sofédéré, ensuite, Armel Bertus du NPA aussi, FX de l'UCL, Yvan Lemaître du NPA, et enfin, Omar pour rejoignons-nous. Ce sera la dernière intervention, ensuite on fera un débat avec la salle, puis on reprendra une série de conclusions. Voilà. Alors, bon, du coup, je vais maintenant ouvrir le bal. Et donc, mon intervention sera donc une première contribution, on dira, du NPA à cette discussion. Alors, pour parler un peu de la situation actuelle, les mobilisations de ces dernières années, hein, et en particulier peut-être la plus éclatante, celle des Gilets jaunes, mais y compris celle de ces dernières semaines contre le pass sanitaire, révèle toute une série de choses. Et parmi ces choses, elle révèle surtout et beaucoup une grande confusion qui peut régner au cœur d'une conscience de classe qui se cherche, qui cherche des voies pour se reconstruire et s'affirmer. Et dans les coordonnées de cet entre-deux, évidemment, la question de l'organisation de celles et ceux qui veulent se battre pour rompre avec la société capitaliste, est un élément fondamental. Alors, d'où est-ce qu'on parle? D'où est-ce que je pense parler? Et là, je voudrais parler un petit peu de l'expérience du NPA. Alors que les tentatives précédentes d'élargissement portées par l'extrême gauche n'avaient pas abouti, il y a une grosse dizaine d'années, en fait, la création du NPA a représenté une expérience importante, peut-être même unique, pour les organisations révolutionnaires en France. En cela, que la différence de ce qui s'était fait avant, nous avons cherché à construire un petit parti qui dépassait les milieux traditionnels d'implantation des organisations d'extrême gauche en impliquant des réfractions des précaires, des privés d'emploi, des habitants de quartiers populaires, tout ça aux côtés des militants révolutionnaires ou des militants syndicaux associatifs, tout en gardant une perspective de rupture anticapitaliste et de transformation révolutionnaire. En fait, la volonté, c'était de créer un parti de classe, de masse, qui représentait donc une perspective pour toutes les organisations d'extrême gauche en France et un horizon aussi possible pour la gauche radicale et l'extrême gauche au niveau international. Alors, l'originalité du projet de construction d'un parti tel que le NPA, au pouvoir des révolutionnaires et des anticapitalistes, reposait à l'époque sur une analyse particulière de la période et des évolutions du mouvement ouvrier. Alors bon, l'enjeu n'est pas ici de tout brosser, mais parmi ces éléments, et dont on peut retrouver encore des formes, des traces et des expressions aujourd'hui, de nouvelles expériences politiques, un nouveau cycle de lutte ouvrière, en fait, dans un contexte de contestation de la politique de la traditionnelle gauche du gouvernement réformiste. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, les résultats significatifs de l'extrême gauche au niveau électoral, qui marquait quand même une rupture avec la gauche institutionnelle. Troisième élément, l'émergence de luttes aux marges du mouvement ouvrier organisé. Évidemment, toutes les luttes de mobilisation d'essor, mais aussi l'apparition et l'affirmation de courants de l'antiracisme politique, et puis la naissance de nouveaux collectifs militants, y compris dans le monde du travail. Tout cela concourait en fait à la politisation de nouvelles couches en fait, de notre classe, en dehors du champ politique traditionnel, et en particulier hors de l'influence de la gauche du gouvernement. Et donc l'idée était de leur donner corps, de chercher à leur donner corps, de contribuer à leur donner corps, en fait, à notre échelle. Et donc c'est ce qu'a été le projet du NPA en 2009, avec la ferme volonté de fusionner
ce qu'on appelait le meilleur des traditions du mouvement ouvrier, qui était l'expression en fait que nous employions. Alors, pour aller vite, 12 ans plus tard, le bilan peut être considéré comme un échec au vu et au regard des ambitions qui étaient affichées. On regrette évidemment pourtant rien de cette expérience, et en tout cas, on ne remet en cause ni la perspective stratégique et ni la visée d'une transformation révolutionnaire de la société, ni l'organisation en tant que parti. Et alors bon, du coup, on va maintenant vous poser quelques éléments. Ce que nous défendons et mettons en discussion, voilà, ça n'a pas vocation à être exhaustif, mais il faudra peut-être des éléments pour, voilà, comme première contribution, y compris pour la discussion. C'est d'abord pourquoi on continue à défendre l'idée d'un parti pour la transformation révolutionnaire de la société. Évidemment, on a conscience qu'on est dans une période de recul où ces idées sont extrêmement minoritaires et la grande majorité de la population peut même apparaître comme réfractaire quelquefois à l'idée de révolution. Et ce n'est pas le sens de la formule, en fait, ou l'attachement à cette formule-là. Mais par contre, c'est bien l'urgence de la situation, hein, sous différentes formes, on voit bien la multiplicité des crises, qui nécessite une rupture nécessaire avec cette société. Cela signifie de s'affronter en fait en réalité concrètement avec l'ordre social et ceux qui le défendent, donc en particulier évidemment l'État des classes dirigeantes en premier lieu, mais aussi de travailler à l'auto-organisation contre les appareils bureaucratiques, contre ceux qui co-gèrent les institutions, pour que l'ensemble de la population s'organise et prenne ses affaires en main. Parce qu'au cœur de notre projet, c'est bien la prise de pouvoir pour les exploiter et les opprimer, qui peut ouvrir la voie à une nouvelle organisation sociale, à un projet d'émancipation de toute la société. Deuxième élément, c'est que nous, on pense que pour tout ça, il y a la nécessité de s'organiser et d'avoir la capacité aussi d'intégrer et d'évoluer. Un parti, en réalité, il s'inscrit dans une dynamique sociale, dans des processus sociaux complexes, quelquefois même contradictoires, on a quand même aujourd'hui l'illustration, qui doivent être constamment discutés, ajustés, actualisés. Et plus qu'un cadre figé, un parti doit être conçu, on dira, plutôt comme une médiation, en fait, en réalité, organisationnelle, en constante évolution, et qui doit donc être constamment réinterrogé à la lumière des évolutions de la situation. En fait, à la différence d'un dogmatisme, c'est-à-dire ressasser les vieilles recettes, tout le temps les mêmes, qui peut certes être rassurant, mais quelquefois peut apparaître hors sol, la construction d'un parti, c'est un véritable processus s'inscrivant dans la période dans laquelle on veut agir, et qui questionne par là même le capital politique du parti, voire même qui le modifie. Hein, et nous, on assume donc de ne pas avoir réponse à tout, de ne pas trancher par avance toutes les questions, toutes les hypothèses stratégiques, tout en défendant quand même, malgré tout, parce qu'on ne part pas de rien, que pour une véritable rupture avec cette société, il faut en passer par une confrontation de très haut niveau avec les classes dominantes, en fait. Et si nous considérons que certaines questions, par exemple le blocage de l'économie par la grève, les questions de double pouvoir, etc., restent des axes stratégiques d'actualité, on a conscience qu'on a bien des réponses, tant programmatiques que stratégiques, qui restent à construire, évidemment, tout en écartant d'autres aussi sur la base de l'expérience du mouvement ouvrier, hein, et en particulier des expériences de gouvernement de la gauche réformiste. Alors pour cela, on a besoin d'un parti donc, qui s'adresse à tous les anticapitalistes, à toutes celles et ceux qui subissent cet ordre social et veulent agir pour le renverser. Parce qu'en fait, ce système de capitalisme, ce système économique et social global, en fait, il entretient une multiplicité de formes d'exploitation et d'oppression, et qui s'exprime dans différentes sphères de la société en générant des contradictions et des résistances. Et c'est cette conscience anticapitaliste multiple que nous devons aider à s'organiser, que nous devons aider à s'organiser sans s'y substituer. Donc, le monde du travail, le salariat exploité, bien entendu, mais aussi les acteurs et les actrices des luttes contre les oppressions patriarcales ou raciales, tout ce qui se lève aujourd'hui pour la justice climatique, etc., etc. Donc cet anticapitalisme a de multiples formes. Et donc un parti utile, il devrait se donner comme objectif de contribuer à la construction d'un mouvement émancipateur qui fédère justement toutes ces résistances, toutes ces luttes vers une société. Alors, le projet est d'armes, éco-socialiste, communiste, autogestionnaire, je pense que chacun dans sa tradition à ces termes, mais tout le monde voit bien en quoi on fait référence, en fait. Bon, et maintenant, pour terminer, en fait, cette première intervention, je crois que, voilà, personne autour de cette table peut dire qu'il a de recettes miracles pour avancer. Et à partir de quoi on repart? Est-ce que la perspective, en termes d'organisation, c'est comme ça dont on discute, c'est la refondation d'une des organisations qui existent aujourd'hui, que ce soit nous, le NPA, que ce soit d'autres organisations d'extrême gauche, que ce soit la France Insoumise, etc. Est-ce que c'est une recomposition générale la clé? Voilà, ça, pas grand monde ne le sait. Par contre, nous restons persuadés d'une chose,
c'est de la nécessité d'avoir à construire un outil organisationnel, un parti en fait, en vérité, en articulation avec ces mobilisations nouvelles et avec l'engagement des nouvelles générations militantes. Alors, cela encore dans une période qui est compliquée, pleine de contradictions et instable, et d'éléments qui sont à la fois une dégradation du rapport de force et de montée des radicalités. Nous, en ce qui nous concerne, au point de vue du NPA, on considère qu'on ne part pas de rien, notre expérience de NPA, et que malgré nos reculs, on ne se voile pas la face, on reste un collectif qui dispose d'un capital politique, qui brasse des trajectoires, des générations, des implantations sociales, même si cela reste bien insuffisant. Mais on dit cela vraiment très humblement, conscient de nos propres limites. C'est pour ça, et je termine vraiment là-dessus, que nous souhaitons nouer un dialogue avec de nouveaux secteurs et collectifs qui se posent la même question que nous, c'est aussi un des enjeux de cette réunion, qui partagent les mêmes perspectives que nous, d'autres courants de l'anticapitalisme et révolutionnaires, y compris même ceux, on dira, avec qui l'histoire nous a séparés, je pense notamment aux camarades libertaires sur lesquels il reste quelques traces. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'échanger, débattre, apprendre pour essayer de dépasser justement tous les points de blocage. Et ce sont des conditions essentielles pour avancer dans la reconstruction d'une organisation dont on mesure aujourd'hui, à la lumière notamment des dernières mobilisations, que l'absence pèse lourdement. Voilà, merci. Donc, se fédérer, c'est un appel qui a été fait en mai 2020, lors du tout premier confinement. On se présente, comme je vais citer ce qui apparaît du coup sur notre site, un collectif anticapitaliste proposant de fédérer toutes celles et tous ceux qui œuvrent à l'alternative post-capitaliste par des pratiques présentes et des élaborations théoriques. Nous mettons nos forces au service de leur mise en partage, de leur diffusion et de leur généralisation. Donc aujourd'hui, on est surtout sur une liste mail de 1800 signataires avec un travail qui se concentre principalement sur des rencontres thématiques qu'on va essayer de faire mensuellement à partir de septembre prochain, mais dont certaines ont déjà eu lieu. Donc se fédérer se positionne clairement comme anticapitaliste, puisqu'il y a des termes qu'il ne faut pas omettre, comme ça peut être le cas dans une certaine période, comme ça peut être encore le cas par certains. L'idée n'est pas du tout de faire des compromis ou un compromis avec le capitalisme, ni l'idée d'une prétendue nostalgie d'un capitalisme qui aurait pu être considéré comme plus doux. Et au-delà de la position d'anticapitalisme, on ne considère pas seulement et pas d'abord comme des anti, mais en fait on veut vraiment travailler à proposer et à construire des alternatives effectivement possibles pour une société post-capitaliste. On fonctionne donc plutôt, comme je disais, autour de rencontres thématiques. Donc plusieurs ont déjà eu lieu, notamment sur la question du salaire à vie, sur le communalisme, sur l'éducation et l'émancipation, sur l'alimentation et la solidarité, ou notamment une des rencontres qui a eu lieu il y a quelques mois sur la perspective de 2022. Donc on avait des questions qui rejoignent ce qui a pu être présenté ces derniers jours ici. Donc c'est une rencontre sur laquelle un texte sera partagé sous peu sur notre site. Ce n'est pas encore le cas, mais je vais vous citer quelques passages, parce que l'idée c'est aussi de ne pas céder au jeu de la passivité en fait, mais de proposer de ce temps de période électorale en fait pour profiter de l'audience qui est plus large à ce moment-là pour discuter des luttes en cours. Donc je cite. La politique se réduirait à un geste voté, alors que la chose politique, si nous l'entendons au sens fort, de bien commun, qui permet de former une cité, renvoie à tant d'autres choses. Des engagements, des alternatives, des luttes, des solidarités, des résistances, des grèves, des occupations, des manifestations, des lieux retrouvés, des fêtes, des assemblées populaires, de l'attention collective, des visées subversives.
Le collectif Se Fédérer n'a pas vocation à donner de consignes, mais nous pensons que notre responsabilité, en raison même de notre attachement à utiliser une vision non capitaliste de la vie et à promouvoir des alternatives post-capitalistes, c'est de tout faire pour subvertir l'échéance électorale. Quel que soit le bulletin de vote que nous mettrons ou pas dans cette urne sacralisée, nous devons contribuer à d'autres perspectives. En fait, du coup, l'idée, c'est vraiment de laisser la parole, en tout cas au sein de Se Fédérer, que ce soit aux signataires ou aux collectifs qui ont premièrement signé l'appel et qui continuent encore aujourd'hui de nous rejoindre. On peut notamment citer comme signataire l'UCL qui est avec nous aujourd'hui. Il y avait aussi l'Union syndicale solidaire qui avait signé l'appel, PEPS, la coopérative Cerise, la fédération syndicat Sudrail, les reporters en colère ou le réseau pour l'autogestion, les alternatives, l'altermondialisme, l'écologie et le féminisme. C'est pas du tout exhaustif, les signataires peuvent se retrouver sur notre site, mais en fait c'est encore une fois défendre l'idée d'arrêter la concurrence entre toutes les organisations qui se positionnent comme anticapitalistes pour essayer de se fédérer du coup et de promouvoir, entre guillemets, vraiment une vision de ce que pourrait être la société après la potentielle chute du capitalisme. Donc, dans la prochaine perspective qui va émerger sous peu avec Se Fédérer, on a une rencontre dans le courant de l'été avec Rejoignons-nous. Et donc, nous, on aimerait beaucoup proposer un temps de rencontre avec le maximum d'organisations possibles anticapitalistes pour travailler sur le fond de nos idées, de nos perspectives, les choses à mettre en œuvre aujourd'hui et comment réagir dans la période actuelle plutôt désastreuse. Donc peut-être que Rejoignons-nous en dira un mot aussi, mais l'idée c'est de faire vraiment une invitation collective. On n'a pas du tout envie que qui que ce soit se propose comme à l'origine de l'appel ou se réapproprie l'appel, mais un moment pour discuter parce que c'est aujourd'hui plus que nécessaire. Et, J'ai pas prévu de prendre la parole tout de suite, mais comme on n'a pas utilisé nos 8 minutes, on va les rentabiliser. A dit quand même l'essentiel, mais l'idée, en effet, c'est le constat, c'est la concurrence, le fait qu'on ne peut pas continuer à être en concurrence entre nous. En fait, on pourra y revenir dans la discussion, mais il y a beaucoup de collectifs en réalité qui se réclament non seulement de l'anticapitalisme, mais une perspective de rupture très claire avec le capitalisme. C'est pour ça que, bon, éventuellement, je mets une petite nuance par rapport à ce que disait Manu au sujet du fait qu'on est sur le reculoir. En fait, je trouve que la période, elle est vraiment ambiguë de ce point de vue. Bien sûr, elle est extrêmement dangereuse. On aura l'occasion d'y revenir dans d'autres débats sur le prix d'une potentialité du fascisme, pour reprendre le terme de Hugo Paletta, la possibilité du fascisme. Bon, on le voit sans cesse et plus encore de manière exacerbée ces dernières semaines. On le voit à la violence autoritaire du gouvernement et une violence d'État. Ça, c'est une chose, mais le constat qu'on fait aussi, c'est qu'il y a une dynamique qui n'était pas existante au moment de la fondation du NPA, qui pose clairement la question de la responsabilité délétère, mortifère du capitalisme dans la crise sociale, humaine, écologique que l'on vit. Et donc, il y a des potentialités anticapitalistes qui vont très au-delà des organisations. Et il me semble, parce que là je parle vraiment en mon nom, que moi j'ai été militante du NPA et je me sens toujours vraiment sympathisante, c'est pour ça que je viens tous les ans et puis que mes camarades sont au NPA, je veux dire, mais ce que j'ai constaté en ce temps d'organisation pour diverses raisons, c'est qu'il y a toute une série de collectifs que je ne connaissais pas quand j'étais militante de l'organisation, dont j'ai fait la connaissance, qui se battent vraiment au quotidien avec des alternatives très concrètes. Et c'est ça qui nous anime à se fédérer. On n'a pas vocation à être un énième collectif, parce qu'il y en a déjà beaucoup. On n'avait pas non plus voulu faire un énième appel, mais le but, c'est vraiment, en effet, le dit l'appellation, de se fédérer, d'aller à l'opposition des tendances à l'implosion qu'on peut connaître et qu'on a déjà connu malheureusement dans le NPA, et personne ne peut s'en réjouir. Moi, je me réjouis en tout cas du fait que dans cette université d'été, la discussion est vraiment constructive, elle est sororale, elle est fraternelle, même s'il y a des divergences. Ça n'a pas toujours été le cas et on sait pourquoi ça va un peu mieux aujourd'hui. En fait,
il faut lutter contre nos tendances au sectarisme, c'est vrai, je l'entendais hier dans le débat sur le front unique, il faut quand même prendre la mesure, mais je vous apprends bien que dès qu'on sort de nos organisations, des personnes qui luttent au quotidien peuvent avoir le sentiment que ces discussions qui nous abîment sur le front unique, avec qui, etc., elles sont un peu à distance des luttes que l'on mène. Donc, bon, après, la question qui se pose, c'est celle d'un parti. Est-ce qu'on veut encore un parti ou pas ? Moi, je respecte absolument la défense, la construction d'un parti comme une organisation structurée, etc. Mais il me semble qu'il faut additionner cette perspective de la construction d'un parti, d'un nouveau parti tel que l'a proposé Manu, avec l'idée, alors, l'idée qu'on avait partagée avec Rejoignons-nous, c'est une maison commune. On a appris depuis que Emmanuel Macron, je ne sais pas s'il y avait des échos dans la réunion qu'on va organiser à ce sujet, mais voilà, il se trouve que 3-4 jours plus tard, il a aussi utilisé la notion de maison commune, hein, comme souvent le vocabulaire qui pouvait être le nôtre est récupéré. Je précise entre parenthèses que pour ma part, mais là aussi c'est vraiment un truc très personnel, j'aime pas du tout le mot extrême gauche, il a été utilisé par Méduse, du tout les critiques de Mali, mais en fait on a un problème aussi avec ce mot-là. Extrême gauche, ça veut dire quoi ? Enfin, on est plus extrême que les gens qui nous gouvernent, qui sont d'un extrémisme atroce en fait. Voilà, le meurtrier des États, voilà. Et donc voilà, donc la perspective c'est vraiment plutôt de continuer à préserver bien sûr l'autonomie des collectifs, des organisations qui sont en fait foisonnantes, beaucoup plus qu'on ne l'imagine en général quand on est soi-même dans une organisation, préserver cette autonomie, mais se rencontrer, se retrouver pour populariser et médiatiser des perspectives non seulement anticapitalistes mais post-capitalistes concrètes. Bonjour à toutes et tous. Alors, quelle organisation pour les anticapitalistes et les révolutionnaires ? Force est de constater que la tâche est immense. Et donc, vous m'excuserez, mais par avance, mais forcément, j'ai largement réduit l'ampleur de la tâche dans le temps qui m'était imparti, qui nous est imparti. Mais j'ajoute aussi, pour le préciser d'emblée, que je le fais à hauteur de ce que sont les débats internes à mon parti, le NPA, à hauteur de ce que j'y suis. Je suis membre d'Anticapitalisme et Révolution, j'ai voté pour la plateforme 5 à la dernière conférence nationale. Et si je le dis, c'est parce que pour les uns, les unes, les autres qui sommes à la tribune, il ne s'agit pas ici de donner des sons, mais quand même, je trouve, de tenter de polémiquer, voire d'éclaircir, ou même, si c'est possible, de penser ensemble nos divergences, mais aussi les responsabilités que l'on a ensemble sur le terrain de la lutte des classes. Alors, pour résumer d'emblée ma pensée et passer le plus vite possible à peut-être des clarifications et des propositions, je dirais que nous militons, nous, avec la conviction selon laquelle la révolution, elle reste plus que jamais d'actualité, au sens où elle sera la seule façon pour l'humanité d'en finir avec ce monde capitaliste. Et on pense qu'elle guide nos pas, même dans la plus modeste de nos interventions et actions au quotidien. Et cette actualité de la révolution, telle que l'appelait le révolutionnaire Georges Lukács, pour nous, ce n'est pas une histoire du passé, c'est une histoire du présent. Mais cette histoire au présent, elle a d'après nous un corollaire. C'est-à-dire qu'un parti qui se prétendrait révolutionnaire, mais qui n'aurait rien à proposer, face à la violence extrême de l'État, face à la violence extrême du patronat, ne peut être en définitive pas pris au sérieux par les secteurs militants qui déjà eux-mêmes s'affrontent. Et de même, cette organisation ne pourrait pas encourager celles et ceux qui hésitent à se lancer dans la bagarre. Et là, je suis obligée de faire forcément un petit détour sur la situation. Parce que l'été que l'on vient de vivre, c'est d'une certaine manière un concentré des ravages capitalistes sous forme de grandes catastrophes climatiques, mais qui s'ajoute elle-même à des violences, aux violences causées par les conséquences de la gestion de la pandémie par la bourgeoisie, par les charrettes de licenciement, la misère, la faim, les morts, et évidemment une augmentation terrible du taux d'exploitation. Mais de fait, alors que nous fêtons là au moins deux anniversaires,
les 10 ans des premières révolutions du 21e siècle au sud de la Méditerranée, les 150 ans de la Commune de Paris, on doit quand même faire un constat, les uns, les unes et les autres, c'est que malgré la succession et l'exacerbation des crises du capitalisme depuis au moins 15 ou 20 ans, ces crises n'ont pas mis à genoux les exploités et leur lot d'oppression. Et la force des soulèvements, la force des révoltes aux quatre coins du monde constitue pour nous le coup qui nous oblige à être à la hauteur. Alors, être à la hauteur, c'est évidemment être sans ambiguïté sur l'outil politique qu'on construit, mais c'est aussi être alerte sur toutes les tâches qui découlent de notre engagement. Et je m'excuse d'avance si les trois points que je vais aborder paraissent un peu à la serpe, parce qu'il me semble que ce sont des points de débat, voire de divergence en partie entre nous, mais nous n'avons pas si souvent l'opportunité et l'occasion d'en discuter si longuement. Le premier point que je voudrais aborder, c'est qu'il me semble que l'expression indépendante des révolutionnaires, elle doit se faire jusqu'aux élections. Et à ce titre-là, c'est pourquoi nous n'étions pas d'accord avec les accords passés avec la France insoumise en Occitanie et en Nouvelle-Aquitaine, et déjà au moment des municipales à Bordeaux, pour une raison simple, c'est qu'il nous ne semble pas possible de défendre dans les institutions moins que ce que l'on défend déjà sur le terrain de la lutte des classes. Je ne prendrai que deux ou trois exemples. Le RIC est régional, je n'ai pas différencié Occitanie-Nouvelle-Aquitaine dans le recensement des points. Le RIC régional, le droit de vote des étrangers, mais que aux élections locales, ou bien l'arrêt des subventions aux entreprises, seulement aux grandes entreprises qui licencient, sans parler des consignes de vote du second tour, des stratégies, des tactiques à géométrie variable, qui ont amené quand même l'organisation avec laquelle nous avions passé des accords à remettre Europe Écologie sur les rails en Ile-de-France. Et pourtant, je le dis, pourtant, depuis le milieu des années 90 jusqu'aux années 2000, les scores de Arlette Laguiller et d'Olivier Besancenot devraient nous faire réfléchir sur la possibilité que s'exprime et que s'assume, que se popularise un programme révolutionnaire. Sauf à croire aujourd'hui que la situation et les rapports de force disqualifient d'assumer clairement un tel programme, et peut-être que la discussion en réalité commence ici. J'ajoute que les derniers scores de lutte ouvrière au régional montrent une fois de plus qu'il y a la persistance d'un espace que le LPA, entre autres, se ferait bien d'occuper. Mon deuxième point, c'est sur la politique de regroupement, et là je le dis, pourquoi cette politique, pas comme un hochet, mais parce que le parti qu'on construit, on le pense aussi, non pas avant tout, mais aussi comme un outil d'intervention. Pourquoi cette politique de regroupement qui a été menée, notamment avec les camarades de la CGT TUI, elle est importante parce qu'elle décline un certain nombre de poids qui nous donnent une boussole dans cette situation. Parce qu'ils ont eu l'objectif de se battre contre la division du chacun dans son coin. Ils ont rendu palpable la force de la classe ouvrière et de ses combats quand elle est mène en commun. Ils ont remis au cœur la question de l'interdiction des licenciements et ont rendu palpable cette revendication en tant que ce qu'elle implique comme incursion, non seulement dans la propriété privée, mais ce qu'elle nous oblige à réfléchir comme moyen pour y parvenir. Elle nous a obligés à penser aussi à ne pas être tributaire de la non-offensive des directions syndicales. Elle a remis au bout du jour la question, l'idée fondamentale que la classe ouvrière, elle peut et elle doit répondre à l'ensemble des problèmes qui lui sont posés. Et je finirai avec ça, puisqu'à l'heure où nous parlons, la question qui nous est posée, notamment, c'est celle du pass sanitaire et de la position et de l'orientation que nous y prenons, et ce sera mon dernier point. Il me semble que depuis deux jours, il y a un certain flottement sur cette question. Nous avons toutes et tous été surpris par le caractère inédit du nombre en pleine période estivale. Tous et toutes, nous y avons été touchés. Nous aussi avons été absents, en partie pour des raisons bien légitimes. Mais il y a depuis deux jours un certain flottement sur comment nous agissons.
et donc je le dirai rapidement dans les 2 minutes qui me sont imparties. Je pense que nous devons y être, et c'est le premier élément. Le samedi, nous devons y être avec une revendication très claire qui devrait être élémentaire, le retrait du pass sanitaire. Et ne pas laisser l'espace aux fachos, c'est ne pas les laisser s'exprimer sans avoir la préoccupation et la responsabilité de répondre du tac au tac. Mais dès maintenant, il faut aussi s'armer pour refuser le contrôle et surtout l'atteinte au droit du travail, notamment à partir du 15 septembre et probablement pas que dans le secteur de la santé. Il faut en faire un élément liant dans le cadre de la préparation des grèves du 23 septembre, du 5 octobre. Il faut enfin envisager le 2 octobre, la réunion nationale qui est proposée par les TUI et les PGG. Il faut en faire un élément et envisager cette réunion comme un élément d'une continuité et d'une nouvelle étape dans la bagarre contre les licenciements, mais dans cette situation. Pour finir, je dirais, ce sont des propositions. Elles nous obligent forcément à une certaine tension, elles nous obligent à une certaine audace, elles nous obligent aussi à nous affronter, à nous confronter aux difficultés de la situation telle qu'une partie de notre corps social se les pose. Et pour terminer, je dirais néanmoins qu'il ne faut pas, absolument pas, laisser échapper le moment. C'est à moi, donc bonjour à toutes et tous. Donc je suis Philippe de l'Union communiste libertaire qui vous remercie de l'invitation à ce débat. Et le lien entre nos deux organisations s'ancre dans nos luttes communes contre le capitalisme, le patriarcat, le racisme et toutes les formes d'oppression. Il était donc important pour notre organisation d'être présent à vos universités d'été. Pour tenter d'apporter quelques éléments de réponse à cette question importante, je vais d'abord présenter très succinctement et je vais proposer comment, avec l'UCL, nous avons essayé de proposer une forme d'organisation fédérale, autogestionnaire, avec une culture du mandat et en lien avec les autres organisations du mouvement social, quelle que soit leur forme d'organisation. Alors, en ce qui me concerne, voilà, je suis syndiqué à la CGT en tant que formateur professionnel dans l'informatique et je participe à l'UCL depuis sa création en 2019 au sein du groupe de Toulouse et Alentour. Alors, l'UCL est une organisation communiste libertaire, née de la fusion d'Alternatives libertaires et de la coordination des groupes anarchistes donc en 2019. Alors, l'UCL n'est pas un parti, mais une fédération. Alors, ça va peut-être un peu changer le discours, justement. Notre courant s'inscrit dans le refus du mythe d'un État républicain neutre, démocratique, surplombant les intérêts particuliers. L'État, pour nous, c'est au contraire l'organisation de la violence politique des classes dirigeantes qui s'impose à la base de la société. La forme d'organisation de notre société que nous envisageons et que nous expérimentons donc au sein de l'UCL se rapproche du fédéralisme autogestionnaire. La logique de parti, pour nous, donc, de conquête du pouvoir d'État, est pour nous contradictoire avec la mise en œuvre d'une société fédérale et autogestionnaire. C'est donc principalement notre anti-étatisme qui nous fait préférer la forme fédérale. Les groupes locaux se répartissent collectivement les tâches et sont à la base de toutes les prises de décision à l'échelle fédérale. Les groupes se coordonnent au sein de la fédération et respectent les décisions collectives. De plus, cette position s'articule avec l'objectif d'une société autogestionnaire, où la population fixera elle-même les grandes orientations économiques et politiques à partir des lieux de production et des lieux de vie. Donc notre fédération est autogestionnaire. Alors, en effet, la révolution, comme on la conçoit, devra remplacer la démocratie indirecte par de la démocratie directe. Une large décentralisation fédérative devra éviter la dépossession du pouvoir populaire au profit d'un nouveau pouvoir d'État centralisé et coupé de la société. Nous donnons la priorité, non pas à la radicalité idéologique, mais à la possibilité de mobiliser, de faire agir, débattre collectivement des franges importantes des classes dominantes. Ce n'est pas qu'une position de principe, mais bel et bien une mise en œuvre directement dans la forme d'organisation que prend l'UCL. L'autogestion n'est pas non plus une posture morale, mais bien un choix stratégique. Car c'est par l'appropriation des organisations et des luttes par le plus grand nombre que l'on garantit un ancrage et un attachement profond aux causes défendues. Nous cherchons donc à établir un cadre de débat et d'intervention horizontale et décentralisée, sans nier évidemment l'importance des tâches de coordination et d'animation de la fédération. Cette fédération donc est constituée de groupes locaux et de commissions auxquelles peut participer l'ensemble des membres de l'organisation. Les prises de décision sont collectives au sein des différentes structures fédérales qui ont mandat pour prendre les décisions pour l'ensemble de la fédération, à savoir le Congrès,
la coordination fédérale, les coordinations fédérales et le secrétariat fédéral, dans lesquels sont mandatés en fait des membres des commissions fédérales. D'accord ? Je pourrais répondre aux questions si vous voulez, on débattre un peu plus profondément si ça vous intéresse. Alors, le contrôle et la révocation des mandats, la remise en question de position ou de décision fédérale s'effectue par les groupes locaux au moyen de mandats exprimés. Cette structure permet de s'assurer que l'ensemble de l'organisation prend part aux prises de décision et contrôle que les décisions sont prises et mises en œuvre dans le cadre décidé. Les orientations stratégiques de l'organisation, ces prises de position, ces décisions sont donc soumises au débat, à la décision collective, au vote de l'ensemble de l'organisation. Celle-ci constitue ainsi un terrain d'expérimentation pour la démocratie autogestionnaire et fédéraliste, en cohérence avec le projet communiste libertaire. Nous voulons une société égalitaire, sans dirigeants, et nous nous efforçons de la faire vivre au sein de l'UCL. Alors cette alternative en acte permet aux militantes et aux militants de posséder un réel vécu et une pratique autogestionnaire. Cela leur donne la possibilité d'insuffler avec plus de facilité et d'assurance ces pratiques au sein des luttes et des mouvements sociaux, dans les collectifs, les syndicats, les associations dans lesquelles ils et elles militent. Le mandat est pour nous à la fois un cadre d'une prise de décision et la position d'un groupe local. Tous les mandats fédéraux peuvent être révoqués lors des congrès ou des coordinations fédérales et sont limités dans le temps, généralement pas plus de 4 ans, et dans le cumul, un mandat fédéral par camarade. Ça permet d'éviter la spécialisation et encourage la rotation des mandats. La pratique du mandatement permet aussi de concilier élaboration collective et efficacité. Les mandats sont définis, contrôlés par les membres de l'organisation qui peuvent, le cas échéant, révoquer les personnes mandatées. Le communisme libertaire que nous promouvons s'inscrit dans une histoire longue, celle du socialisme anti-autoritaire, qui prend les sources dans la Première Internationale. Il n'a rien à voir avec un individualisme qui nierait l'antagonisme de classe et la nécessité d'action collective pour bouleverser l'ordre du monde. L'appropriation, la socialisation et l'autogestion des moyens de production sont dans notre ordre du jour pour en finir avec le capitalisme. La dictature du prolétariat, le léninisme, les expériences des pays dits socialistes ne font pas partie de notre histoire. L'organisation se refuse à tout rapport de direction ou de substitution en direction des luttes des travailleurs et des travailleuses et de la population. Elle peut participer à l'organisation d'initiatives de mobilisation. Les militantes et les militants de notre courant peuvent prendre toute leur place dans les luttes, mais la direction des luttes sociales doit rester sous le contrôle collectif de ceux et celles qui les font vivre. Nous ne prétendons évidemment à aucun monopole. Nous sommes pour le débat, d'où notre présence ici aujourd'hui, pour que les forces soient mises en commun, j'ai parlé beaucoup trop vite, aussi souvent que possible, sans nier les spécificités de chacun et de chacune. Un même souhait de confrontation et d'unité nous conduit à refuser les sectarismes entre toutes les forces qui combattent sincèrement le capitalisme et les autres systèmes de domination. Ainsi, nous pensons qu'un dialogue est toujours possible et souhaitable avec les différents courants révolutionnaires d'origine marxiste ou anarchiste. Et je vérifie qu'il oublie des trucs. Et normalement, c'est vrai. Voilà. Donc vous avez gagné 2 minutes. Je capitalise sur un montant de réponse. C'est assez. Du coup, tu passes la croix et oui, bonjour, donc Yvan, Emmanuel, je dis deux mots, j'appartiens à un courant du FPA, démocratie révolutionnaire, dont l'histoire est assez symptomatique de l'extrême gauche et de ses multiples aventures que les uns et les autres ont pu connaître d'ailleurs, nous ne sommes pas les seuls, puisque notre courant est né de rupture avec les ouvrières au lendemain. À la fin du 19e siècle, du 20e siècle, pardon. C'est dans la boîte. C'était pour faire référence à l'histoire. Et à l'époque où nous militions pour la fondation d'un parti des travailleurs, si vous permettez de sortir mon masque pour parler, c'est plus confortable quand même. Donc, nous militions pour la fondation d'un parti des travailleurs suite à l'appel dans la Taguilly, nous avons rompu. Avec Hello qui a abandonné cette politique, nous pensions que c'était faux. Nous avons fusionné avec la LCR et participé à la fondation de l'UPA, dont nous pensons à la fois qu'il garde aujourd'hui tout ça, son utilité, quelle que soit la crise qui est traversée, j'y reviendrai, et surtout que le processus, sans revenir sur le passé, le processus de fondation de l'UPA reste une expérience extrêmement riche, qui devrait d'ailleurs pouvoir nous être utile dans des processus ultérieurs de regroupement
et de tentatives de fonder un réel parti des travailleurs et non pas simplement une organisation, c'est-à-dire de reprendre ce qui était notre projet, répondre à l'échec de l'extrême gauche pour devenir réellement un parti et qui s'est avéré et qui s'avère aujourd'hui incontestablement un échec et politique qu'il faut reprendre, remettre sur l'établi. Et c'est l'objet, je crois, de notre discussion, non pas de définir l'apanage de tel ou tel courant, ses recettes. Il n'y a pas de recette, ni dans les 2 mois, ni dans les 10 ans. Il y a une démarche, une politique, des objectifs. Et aujourd'hui, nous avons des désaccords au sein de l'UPA. Nous avons un désaccord fondamental qui était la recherche d'alliance avec la LFI, qui a des conséquences importantes dans les choix ultérieurs que nous avons pu faire dans l'organisation. Parce qu'il nous semble que dans la démarche qui jalonne le travail de construction d'un parti, il y a des notions indispensables et infranchissables qui sont l'indépendance de classe, l'internationalisme sans concession, lutte pour l'auto-organisation des travailleurs pour qu'ils dirigent leur propre lutte, pour leur contrôle sur leur lutte et sur la société, y compris la conquête du pouvoir. Il est évident qu'il y a des alliances qui rentrent en complète contradiction avec l'ensemble de ces principes. Et nous sommes en désaccord total, même si ça ne nous empêche pas de militer dans le même parti, de nous battre et de continuer à en débattre. L'objet de la discussion, d'ailleurs, je voudrais revenir, sans discuter de le titulé, Manu, il n'y a pas de souci, c'est sur, pour préciser, la discussion que nous avons, ce n'est pas sur ce dont nous avons besoin, c'est dont les travailleurs ont besoin pour leur propre émancipation par eux-mêmes. Et comment nous avons les uns et les autres un rôle à jouer dans cette construction de l'organisation du parti dont le monde du travail a besoin pour ses luttes, défendre ses droits et son émancipation. Donc je crois que c'est un débat beaucoup plus large. Bien évidemment, les 7 minutes qui me restent, même encore moins, il faut que j'accélère, il est clair que je ne pourrais que tenter de définir une démarche, mais je crois que c'est ça l'essentiel, tenter de définir une démarche avec au point de départ un constat qui sont les grandes difficultés que nous laissent en héritage tous les reniements, les trahisons du stalinisme et de la social-démocratie, et en même temps une période extrêmement riche face à laquelle nous n'avons aucune raison de nous démoraliser, quel que soit le recul de cette ligne gauche, mais il y a une émergence de nouvelles forces sociales, de nouvelles forces révolutionnaires contestataires à l'échelle internationale qui sont porteurs d'espoirs extraordinaires. Et c'est à ça qu'il faut répondre et non pas toujours prévoir la victoire du fascisme. Ça fait, voilà, je crois que l'essentiel du problème, bien sûr il y a des menaces, mais peut-être que l'essentiel, c'est la possibilité de la révolution qu'il nous faut explorer plus hardiment. Donc cette situation est riche de possibilités, elle doit aussi affronter un autre obstacle dont parlait le camarade communiste libertaire, qui est la méfiance à l'égard des partis, et la méfiance qui est héritée à la fois de cette politique de la gauche et à la fois aussi du soutien pour lui, il faut bien dire, le mouvement trotskiste vis-à-vis de certains États, dans du système des pays de l'Est, ou vis-à-vis de la pensée Mao Tse-tung, et donc nécessité de se dégager de tout ça, de rompre avec toutes les stories de cette époque pour apporter résolument une période totalement nouvelle. De ce point de vue-là, l'histoire du NPA est significative de sa crise. Manu le rappelait tout à l'heure. Nous n'avions pas, à la fondation du NPA, abordé une série de problèmes stratégiques. La stratégie révolutionnaire, comme on l'a formulée aujourd'hui, selon la période, et de ne pas avoir su avoir ou voulu avoir ce débat, et a entraîné une série de crises dont nous connaissons, j'espère aujourd'hui, l'apogée pour mieux la dépasser. Mais on ne la dépassera que si nous acceptons d'avoir réellement ce débat, non pas pour nous définir comme chaque tendance telle qu'elle est, avec ses propres autodéfinitions, mais pour entrer dans un débat plus large, qui saisisse et qui cherche à répondre aux problèmes majeurs qu'on trouve dans toutes les mobilisations aujourd'hui, et en particulier dans celle de maintenant, hier, les Gilets jaunes, qui est la confusion politique liée à la disparition d'organisations de classe ayant une réelle influence, et nous sommes marginaux. Et l'essentiel, c'est de reconquérir une fraction de l'opinion ouvrière, d'aider cette fraction de l'opinion ouvrière à s'approprier nos idées à travers les luttes, à travers les mobilisations. Donc, travailler à participer, à surmonter la crise du NPA, c'est ces deux aspects, à la fois l'intégration, la lutte
l'intervention dans ces mobilisations, dans les collectifs, dans les interpros, et regrouper la fraction la plus consciente, et en même temps discuter largement, discuter entre nous, pas une discussion où chacun se dit dans son coin. C'est ce que nous avons d'ailleurs proposé il y a un an au NPA de faire, d'engager une discussion sur la période et les tâches large, publique, y compris en s'inspirant du processus qui avait été celui de la fondation du NPA, à savoir des débats publics avec les autres courants, ce qu'on fait aujourd'hui avec 8 minutes d'intervention pour chacun, il m'en reste 2 d'ailleurs si je comprends bien, avec donc où on est obligé de courir après ses idées tellement le temps vous talonne, donc d'avoir le temps de formuler ses idées, d'en discuter avec les uns et les autres, et à partir de là, de voir comment on avance en confrontant la recherche d'action commune, les idées, et voir comment à partir de là, on peut tracer une perspective d'un parti loin de tout modèle et de toute autoproclamation, qu'elle soit communiste, révolutionnaire ou quoi que ce soit. Nous le sommes tous, le problème de l'autoproclamation, c'est pas ça, c'est pas le problème. Le problème, c'est concrètement comment nous répondons aux interpellations de l'époque du capitalisme moderne que nous connaissons, moderne réactionnaire que nous connaissons, avec le dernier exemple qui vient de se passer avec la chute, la déroute américaine à Kaboul, l'été de crise écologique, l'été de la pandémie et l'automne qui s'annonce de la crise sociale. Comment nous répondons à cette crise globale en apportant des réponses globales? Frédéric Bordon a publié un livre il y a pas longtemps qui s'appelle « Figure communiste » et il reprend à compte l'idée de la période de transition. Bon, les trotskistes qui sont les professionnels de la période de transition l'ont vidé en réalité pour beaucoup de son contenu en faisant des mesures d'urgence, mais en abandonnant quelque peu ou beaucoup trop le lien entre les mesures, les besoins immédiats et la transformation révolutionnaire de la société. La transition, c'est la transition entre le capitalisme, le socialisme et le communisme. Ce n'est pas la transition dans les êtres. Et nous devons nous réapproprier cette idée-là et redonner, lier, ça devrait être d'ailleurs le contenu de notre campagne présidentielle, les revendications, les exigences dans toute leur diversité, puisqu'elles concernent la paix dans le monde, la question sociale, la garantie des licenciements, la lutte contre les crises écologiques et la pandémie, relier cet ensemble d'exigences qui naissent de toutes ces contradictions et ces violences, je conclue, du capitalisme dans une perspective de transformation sociale de la société autour d'une compréhension de la période moderne et non pas en répétant les formules toutes faites d'il y a un siècle. Il nous faut inventer quelque chose de neuf en se réappropriant le marxisme, et je crois que ce monde-là, y compris les camarades communistes libertaires, je crois, partagent avec nous ce communisme. Il n'appelle pas démocratique révolutionnaire ou révolutionnaire, il appelle libertaire, mais je pense que cette conception marxiste est notre fil à plomb, notre guide, et qu'elle doit s'inclure comme une des conditions de la réussite de la démarche et la volonté constante de regrouper ses propres forces. Fixer comme dénominateur commun, je conclue là-dessus, le regroupement des révolutionnaires qui permet à la fois l'action commune et à la fois le débat politique, le débat d'idées. Sans ce choix volontariste d'unité de notre propre camp politique, pas d'unité, la politique de front unique avec la CGT ou je ne sais pas quoi, l'unité de notre camp politique, l'unité des révolutionnaires pour l'intervention dans la classe ouvrière, dans la jeunesse, le mouvement des femmes, et élaborer collectivement une réponse politique globale à la crise globale du capitalisme. Excusez-moi si j'ai dépassé mon temps, on parle vite, mais... Oui, bonjour. Omar Slaouti et beaucoup d'autres pour rejoignons-nous. On est d'ailleurs quelques-uns ici à être à cette université d'été qui pour nous aussi est un rendez-vous quasi mécanique. On était quelques-uns quand même en 2002 à avoir été de cette belle aventure de lancement du NPA. On est aussi quelques-uns à avoir quitté le NPA et simplement pour des bonnes raisons politiques à certains moments. On y reviendra peut-être éventuellement dans le débat. Je suis assez parfois... Je mets parfois, c'est un euphémisme, je suis assez sidéré par l'enthousiasme de quelques camarades. Je me demande si quelque part dans l'université d'été, on peut prendre des règles de code, dans ce cas-là, il faut le faire savoir à tout le monde. Parce qu'il y a un enthousiasme que je trouve particulièrement délirant dans la période, et je me dis, mais c'est peut-être une réalité, parce qu'après tout, les existences déterminant les consciences, on ne vit peut-être pas les mêmes réalités, c'est possible, il n'y a aucun problème.
Moi, dans cette période-là, je vois évidemment des foyers de résistance. Nous voyons des foyers de résistance qui interviendraient dans un instant. Mais ce à quoi nous assistons, et ce n'est pas pour maximiser le propos, pour rendre grave le propos, c'est à une fascisation de la société. On dit le fascisme en mouvement, pour reprendre les termes du Hugo Paletta, pas le fascisme comme régime, peut-être qu'on y viendra. Et bien évidemment, il voit qu'on a raison d'en parler, pour une raison très simple d'ailleurs, parce qu'historiquement, la croisée des chemins entre fascisme et révolution, c'est aussi une réalité historique, et que la bourgeoisie sait faire des choix. Alors si la période est révolutionnaire, comme le disent certains et certaines camarades, éventuellement, elle peut aussi être de l'autre côté, du choix le plus mortifère qu'il puisse y avoir. Et je voudrais dire ici, parce que pour pouvoir parler de la situation, faisons au moins peut-être un état des lieux commun, mais peut-être qu'on ne fait pas le même état des lieux. L'état des lieux que nous sommes amenés à faire, dont rejoignons-nous, mais pas que nous, c'est qu'aujourd'hui, on a un racisme d'État, des lois qui pleuvent en pagaille contre certaines catégories de la population qu'on appelle musulmans, musulmanes, de culture, de religion, et de manière très générale, ceux et celles qui vivent dans les quartiers populaires. On s'entendra avec tous les camarades. Ceux et celles qui vivent dans les quartiers populaires font partie de la classe. Oui, très bien. Et alors, est-ce qu'on peut dire et affirmer très tranquillement que notre classe est hétérogène, que les questions de genre sont une réalité, qu'on n'est pas exploité de la même manière quand on est un homme, quand on est une femme? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une racialisation de la société de part en part qui fait que quand on est arabe, noir, rome, zigane, gitan, etc., et blanc, on n'a pas la même chose dans le frigidaire, on n'a pas le même filet social, on n'a pas les mêmes rapports aux institutions, et en particulier avec la police? Mais dire ça, on n'a rien inventé. D'ailleurs, je devrais dire ça, on est énervé en réalité. Parce que quand, par exemple, le camarade de Perpignan nous explique hier sur un cycle magnifique, et heureusement qu'il existe ici, le cycle sur l'extrême droite, le camarade de Perpignan nous explique qu'à Perpignan, il y a un quartier, celui des Gitans, il y a 86% ou 83%, il me corrigera, le corrigera, de chômeurs. C'est juste une dinguerie, on peut le dire. On peut dire que oui, nous ne sommes pas tous logés à la même enseigne, toute classe ouvrière, toute classe populaire que nous sommes. Et de ce point de vue-là, il va falloir arrêter. Arrêter avec les angles morts, un certain déni de certaines oppressions spécifiques qui n'ont rien à envier à l'exploitation capitaliste, parce qu'en réalité, il y a un lien de causalité dans les deux sens. Et évidemment que la racialisation, d'ailleurs historiquement, est à l'origine du capitalisme, par exemple. Et évidemment que le dumping social peut jouer sous toutes ses formes. Et Mélenchon, qui a largement déconné il y a quelques années, quand il expliquait que le problème de ceux et celles qui pourraient rejoindre la France, les migrants, etc., pouvait pousser au dumping social et donc évidemment préférer certains salariés à d'autres. Là où nous mettons les actions de solidarité, et on le dit particulièrement dans cette période où les choses les plus indigestes circulent à l'endroit des migrants afghans et afghanes, où chacun fait son choix, son marché, et ça a été très bien dit et développé par Philippe Poutou. Mais on dit aussi très tranquillement, avec beaucoup d'amour, qu'il aurait fallu hier soir aussi à la tribune une intervention des migrants et des migrants sur cette question-là, tant la question est spécifique, tant la question est grave, tant l'islamophobie aujourd'hui nous percute de part en part et nous met tous notre billet, que les présidentielles, ce qui va être discuté pendant au moins un an, ça va être nous, les Arabes, les Noirs, les Musulmans, les Musulmanes, les habitants des quartiers populaires. Alors évidemment, on compte sur Philippe et sur d'autres camarades qui se présenteront pour mettre le curseur ailleurs, pour parler de l'inégalité sociale de toutes les manières. Évidemment qu'il faudra le faire, mais partons au moins ce constat-là, et je le dis très tranquillement. Si le NPA a largement évolué sur un ensemble de questions depuis ce qu'on a appelé l'affaire Ilham Moussaïd, cette camarade qui portait le foulard, qui a été une dinguerie monumentale au sein du NPA, qui nous a explosé, qui nous a fait mal à la tête, et surtout, on a ce que dit Yvan, il a raison, la bonne santé du NPA, c'est quasiment secondaire dans cette affaire-là. C'est celle des travailleurs et des travailleuses. Et ça a été un outil qu'on a flingué. Alors bien sûr, il y a eu des évolutions. On peut dire aussi qu'il y a eu des involutions, des crispations. Certains camarades n'ont pas beaucoup évolué sur la question de l'islamophobie. Eh bien nous, on part de ce constat-là, de cette fascisation sociale qui existe, et évidemment qui s'articule pleinement. Il n'y a aucun problème. Il y a des relations, pour une fois, de cause à effet avec cette pratique du capitalisme, ce nouveau visage du capitalisme qu'on appelle néolibéralisme. Mais ça reste le capitalisme. Et on le dit aussi, même si ça fait chier les camarades, le marché, il a une couleur.
C'était d'ailleurs le titre du livre de Sylvie Laurent, où elle voit dans les années 80 ce néolibéralisme aux États-Unis. Et elle explique très bien que quand on est noir, hispano, on n'est pas logé à la même enseigne. Dans le cadre du néolibéralisme, dire ça, c'est dire pareil quand on parle du Covid, qui a défoncé plus certaines catégories de la population que d'autres. 3 minutes, c'est ingrat, c'est dur. C'est dur, je vous dis pourquoi. Parce que rejoignons-nous, c'est rejoignons-nous. Le NPA, c'est x3 ici, même si il y a des tendances. Et nous, on ne veut pas rentrer dans les débats de tendance, on l'a dit. Alors, on ne rentre pas dans les débats, on ne fait pas le congrès, surtout. Là, on n'est pas là pour s'immiscer là-dedans, même si on a des choses à penser. Mais disons-le clairement, le Covid, de la même manière, n'a pas frappé dans les quartiers populaires et ailleurs. Dire ça, c'est en terminer avec ce rapport à la centralité des luttes ouvrières dans les lieux où travaillent les ouvriers et les ouvrières, où travaille la population. Non. Et la bonne nouvelle, on le dit, c'est que l'ensemble des mobilisations qui ont lieu dans la période, il se trouve, qu'on le veuille ou pas, c'est un fait, c'est un constat, elle s'est faite largement en dehors des partis politiques. Ça ne veut pas dire que c'est super. Ça veut dire que c'est comme ça, c'est un fait. C'est mettre la question climatique avec des nouvelles générations, c'est mettre la question féministe avec des nouvelles générations, c'est mettre la question de l'antiracisme politique avec les comités contre les violences policières, avec des nouvelles générations. Ça veut dire simplement que ça se passe là, pas que là, évidemment. Nous, on prend à notre actif le mouvement 2019 des retraités sur la retraite avec 1,8 million de personnes dans la rue, des grands moments de mobilisation. Mais nous disons aussi que les gilets jaunes, c'était à côté. Et puis on dit même, pour ceux et celles qui voudraient nous mettre à chaque fois en contradiction, le début de la mobilisation des gilets jaunes, c'est le 17 novembre 2018. Et la fin de la mobilisation des révoltes de 2005 après la mort de Ziad et Bouna, c'est le 17 novembre 2005. La date anniversaire, alors évidemment, moi, j'en fais un point symbolique fondamental. Parce que ce sont des colères qui sont intimement liées, ce qui ne veut pas dire qu'elles s'effacent les unes des autres, qu'elles s'invisibilisent les unes des autres et qu'il faut réduire les unes aux autres. Mais ça veut dire qu'il y a évidemment nécessité d'articuler. De ce point de vue-là, il y a des foyers de résistance. Et je veux dire, puisque hier on parlait du Front Unique. Mais ok, le Front Unique, avec les organisations politiques, il n'y a pas de problème, on connaît les débats, etc. Même si on est quelques-uns à poser beaucoup de bémols à l'endroit du Parti communiste, Roussel qui est allé manifester avec les flics, l'extrême droite devant l'Assemblée nationale. Vous comprenez que nous, ça nous emmerde un petit peu, je le dis. Parce que nous, quand on a voulu manifester contre l'islamophobie avec nos collectifs, nos petites mains, certaines organisations politiques n'étaient pas au rendez-vous. Les mêmes qui nous parlent de front unique, qu'il faut s'allier, etc. Parce qu'il y aurait parmi nous des organisations musulmanes qui ne sont peut-être pas complètement claires, complètement pas tout fait trop claires, peut-être. C'est ça le problème. Bon. Et donc, sur la loi, c'est pareil, ça a été dit ce matin ici par Aya Halimi. Autant il y avait une mobilisation massive contre la loi sécurité globale, sur la loi séparatiste, on s'est retrouvé très très peu avec les camarades du UCL, avec les camarades du NPA et les camarades du NPA, certains camarades du NPA, parce qu'on sait bien que tout le monde ne vit pas les choses de la même manière au NPA. Et quand on dit Front Unique, je voudrais dire aussi une chose très importante, là actuellement, je vais conclure, mais c'est pas grave, je voulais vraiment conclure sur une conclusion en fait, mais c'est pas possible. Juste un point, on parle des luttes de la faim, le préfet du 9-3 en parle, il y a eu des mouvements de solidarité dans les quartiers populaires. Comment ça se conjugue à l'échelle des camarades du NPA? C'est quoi? Comment ça s'appelle? Quel nom on donne à ceux et celles qui ont moins, qui se démerdent pour que ceux qui ont encore moins que moi puissent bouffer? Comment est-ce qu'on nomme cet élan internationaliste des quartiers populaires vers l'Algérie, vers la Tunisie, et y compris vers Haïti, aujourd'hui, pour que ceux et celles qui sont dans un désarroi total puissent voir arriver des médicaments, y compris quand le gouvernement algérien veut mettre un holà et dit ça passera par la pharmacie centrale, et vous avez des associations qui lèvent la main, qui lèvent le poing et qui disent ça passera de toute façon. Ce sont des élans internationalistes, mais c'est très bizarre, ça ne rentre pas dans le logiciel. Ces brigades de solidarité, y compris internationalistes, qui ne s'appellent peut-être pas comme ça, ça ne rentre pas dans le logiciel encore autrefois de ceux et celles qu'on peut retrouver ici et ailleurs. Voilà pourquoi nous nous disons, et je finis vraiment là-dessus, parce que ça a été dit par Yvan en conclusion, enfin, juste à, c'est lui après le Badu, dans le NPA, Badu commence en disant, et je reprends les termes, moi je Badu petit lait, le bilan du NPA peut être considéré comme un échec, Yvan dit échec incontestable. Voilà, la messe est dite, évidemment, je
Je sais bien que c'est pas lui à trouver la position d'armée. C'est tout son tes mots, c'est filmé, Yvan, tu pourras revoir. Échec incontestable du NPA. Vous permettez du coup simplement que des militants et des militantes, que des militants et des militantes orphelins qui se mobilisent sur la question climatique, féministe, antiraciste, sur la question des migrants, dont on va pas suffisamment parler, je finis là-dessus, puissent, au regard de cet échec, dire peut-être faut-il lancer une nouvelle organisation avec une stratégie qu'on affirme transformation révolutionnaire de la société. Et on termine, c'est vrai, dans notre texte par 28 points d'interrogation, parce qu'il s'agit ici d'un processus constituant qu'on aimerait discuter avec vous. Et en l'occurrence, il y a une date, ce sont les week-ends du 25 septembre.